Yo tout le monde, c'est Apollon, aujourd'hui on se retrouve au Port Boutique du 3 février 2024. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir, mettez un code créateur 4TT dans Boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront, et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Alors merci si vous le faites. Du coup, on a le retour de Jack, ok, avec sa danse intégrée. On a sa version Lego et son sac à dos pour 1500 V-Bucks. On a sa pioche pour 800 V-Bucks. Et on a son planeur pour 1200 V-Bucks. Et on n'a pas le retour de son autre danse du coup. Ok, on a le retour aussi de Songe avec sa version Lego. On a son sac à dos, on a son planeur et son camouflage. Et séparément c'est 1200 V-Bucks et 1200 V-Bucks. On continue avec Sirène pour 1200 V-Bucks. Et elle, je crois qu'elle a plusieurs... Ah oui, c'est ça, c'est sa dernière tenue. Mais ça fait un moment, je crois, qu'elle est là. On a sa pioche Bisou pour 800 V-Bucks. On a Fléchette pour 800 V-Bucks. Ensorcelante pour 800 V-Bucks. Et Champ de Marin pour 500 V-Bucks. On a ensuite Fiancé de l'air pour 1200 V-Bucks. C'est un peu tout le skin aviateur. Fendeur des cieux pour 1200 V-Bucks. On a Voltigeuse pour 1200 V-Bucks. Et on a le planeur dirigeable pour 1200 V-Bucks. Et la pioche turbine pour 800 V-Bucks. On continue avec Agent Secret pour 1500 V-Bucks. De ce que je vois, Brendan, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. C'est toujours pas aujourd'hui que tu auras tes petits pigeons. J'espère qu'ils vont bientôt arriver. Je pensais vraiment qu'ils allaient arriver aujourd'hui. Parce qu'on a une nouvelle mise à jour mardi. Et j'aurais pensé qu'ils nous allaient nous les mettre avant cette mise à jour. Mais des fois, malheureusement, certains skins ne viennent jamais. Mais bon, j'y crois pas. On a toujours les skins icônes. Bon, blablabla, on les connaît. On a les voitures, ok. On a les musiques, ok. On connaît. The Weeknd, on connaît. Ça, on les connaît déjà. Le club de Fortnite qui avait depuis le premier. Et les packs. Donc, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 3,5 sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde.